Elle est l'unique femme à la course à l'élection du président de la République du 23 décembre en République démocratique du Congo. À 53 ans d'âge, Marie-Josée Ifoku est la présidente du parti Alliance des élites pour un Congo nouveau. Dans cette bataille à connotation masculine, elle s'est dit être la mieux indiquée pour changer le Congo. Je suis entrée dans ce combat pas parce que j'étais une femme, parce que tout simplement l'envie de participer, comme je vous ai dit, à la construction de ce pays, l'ambition de croire que je suis la bonne personne pour apporter un véritable changement. Donc sincèrement, je ne me regarde pas au départ comme femme. La candidate numéro 2 souligne la nécessité d'une justice indépendante comme base de la nouvelle société, alors que tous les candidats à la présidentielle mettent un accent sur le budget de leur projet de société. Marie-Josée Ifoku qualifie ses discours de démagogie. Elle n'évoque donc pas des chiffres dans son projet. Un budget avait déjà été voté de 5 milliards. Je trouve que c'est ridicule comme budget pour le pays qui est grand comme le nôtre, le pays aussi riche que le nôtre. C'est vrai que je reconnais que c'est un budget national. Mais pour l'instant, sortir le chiffre juste pour pouvoir faire un discours des populistes pour que je puisse être voté, je trouve ça encore un grand mensonge pour le peuple congolais. La présidente de l'Alliance des élites pour un Congo nouveau s'est dit avoir été préparée à s'aligner derrière un candidat commun de l'opposition. À l'absence du consensus, Marie-Josée Ifoku appelle plutôt les autres candidats à la soutenir pour une alternance réelle le 23 décembre 2018.